Enfin YouTube, je suis Suzucube et je suis super content de vous retrouver pour un petit unboxing de... Bon, ça sert à rien ce colis autour parce qu'en fait, vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas, sur le titre. Et c'est... Pff, quel idiot. Et c'est la manette Nintendo Switch. Que voici, allez, sort, petite. Ouhouhou. Cette jolie manette avec une jolie taxe aussi, hein. Facture de taxe. Et attention, on a eu pour 29 euros de frais de douane, dont 13 euros de frais de dossier. Le frais de dédouanement. Ça, c'est pas super, c'est ce qui arrive quand on passe par DHL. Ça, c'est zéro. En tout cas, pour en revenir à cette manette. Cette petite manette spéciale Splatoon, hein. Alors c'est pas une manette collector, même pas du tout collector, mais elle est quand même sortie à l'occasion de la sortie du jeu. Ouais, plutôt sympa. L'emballage est correct, hein. On va dire les choses comme elles sont et on va commencer par l'ouvrir. Voyons voir ça. Hop là, un petit carton. Et ah bah. Oh, et puis zut, moi je suis passé. Sors. Allez, elle est bien emballée dans son petit. C'est pas du cellophane, hein, mais bon. Assimilé. Et. La voici, cette fameuse manette. Je sais pas si on la voit bien. Ouais. Plutôt sympa, hein. Vraiment. Je suis en train de regarder avec les reflets. Je sais pas si ça va bien se voir à l'écran. Il y a des petites taches. On va mettre de plus près. Ouais, c'est, franchement, c'est... C'est vraiment sympa avec une bonne finition. C'est une manette classique, hein. C'est-à-dire que c'est la manette habituelle de la Switch. Avec son port de rechargement. Moi, je la connaissais pas très bien, cette manette. Alors là, le focus ne se fait pas très bien. Ouais, je la connaissais pas très bien, mais je dois avouer que... Elle est vraiment sympa. Ouais. Donc voilà. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à déballer, puisque il y a juste le câble. Hein. Il y a un manuel que personne ne lit. Hein. Nintendo Switch Pro Controller. Et bien sûr, le câble. Mais c'est un câble USB et... micro USB, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, voilà. Une manette. Toujours sympa d'en avoir une. Pas forcément indispensable, hein, mais au moins ça permet de jouer plus confortablement. Plus confortablement à ces jeux Switch. Bon, sur ce, moi je vous laisse. J'ai à tester cette manette. J'ai pas encore reçu Splatoon 2. Mais j'espère le recevoir très bientôt pour pouvoir tester tout ça avec. Allez, moi je vous laisse, vous dis à ciao les otaku, et à bientôt sur otakugame.fr.